Attention Daniel, senteur pour Dandy 33 qui t'appelle. Oh la vache, que c'est QRP de mon côté, hachi trois coups. Là, si autant hier après-midi il y avait de la propague, autant ce matin c'est parti dans l'autre sens. C'est bien ton QRA le problème. Hachi, va falloir que tu penses à déménager pour que ça aille beaucoup mieux. Bon, ça on savait déjà. Ouais, ouais, là, plus sérieusement, ça va mieux. Là. Voilà, alors, vous voyez, c'est fini, là, c'est votre morphologie, là. Non, j'étais pas en repos, j'étais en journée là sur, sur un nouveau site là qu'on a un chantier qui est. Allez, qui est à quoi? À 15 km du QRA. Quand j'ai à côté du QRA, je parle de mon côté, hein. Dans les environs de Saint-Émilion, quelque part dans le coin, par là-bas. D'accord, ok, 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 d'accord. Ouais, bon, alors, c'est pour ça. Alors, je pensais que tu devais monter à la mer. Alors, je ne sais pas si ça fait tout, mais quand j'ai vu... Ah là j'ai une montée QRM là pour le coup je t'ai perdu. Donc je sais pas si tu as relâché le micro, je suppose que oui. Les vacances c'est pour là, c'est à partir de la semaine prochaine. Donc là là non j'y suis pas encore. Ce soir, je suis à côté de là où j'étais cette nuit. Donc j'embauche à 23h pour terminer à 8h demain matin. Et mercredi, je retourne pas loin de chez moi, là, là sur le chantier. Ok, attends, parce que là c'est vraiment, vraiment QRP de mon côté. On va passer le 27-275, le canal 27 en uniforme, Sierra Bravo, ça ira beaucoup mieux. Ok, voilà, le temps que tu voyais un petit peu ce que ça donne de ton côté, normalement ça devrait être bon, je pense. Ok, ouais, ben moi c'est pareil. Hier je m'étais clarifié là sur enfin le poste, sur les stations là, que j'étais en train d'écouter là sur la route. Et bon, c'est vrai qu'ils avaient l'air d'être un poil décalés. C'est vrai que là ça m'a fait bizarre d'un seul coup là en t'écoutant. Pour une fois, t'avais une voix d'homme. Ok, je te demandais, mais vite tout à l'heure, est-ce que tu montais là sur comment
te dire, là, sur l'Alsace, là, par rapport au groupe kilomètre. Alors là, attends, mélanger deux trucs. récemment, il y a eu l'activation Kilomag. Bon, ben du coup, moi, j'ai fait chou blanc complet. J'ai pas pu y participer, même le dernier week-end, puisqu'il a fallu que je monte là sur ma reine là pour un truc bien précis, bien particulier. Et autrement pour l'Alsace. C'est pour le RCI, alors c'est vers la fin du mois, avec le week-end qui va avec le lundi de Pâques, oui c'est ça. Ah oui, ok, d'accord. Bon, ok pour ça, donc c'est dans 15 jours. D'accord, alors comme j'avais vu quelque chose, comme quoi c'était monté, l'article, voilà c'est ça, oui c'était pour le RCI, c'est pour ça que je croyais que c'était fait, hein. Je pensais que c'était Rémi, voilà, donc ok pour le lundi de Pâques, il n'y a pas de problème. Ben, moi là je sors en famille, en cœur en familial. Hein. Voilà, donc et puis après, début mai, là je monte sur la Touraine. Oh tiens, tu vas être promené. Ouais, ben j'ai fait des congés de l'année dernière là. Ok, d'accord. Tiens, je suis en même temps en écoute là sur les fréquences 446 mégas là sur le PMR. Et puis, si, il y a. J'ai entendu là quelque chose là, ça gratouillait un petit peu de ce côté-là. Ouais, ça se trouve, ça doit être des professionnels qui sont en train là, de parler dessus. Hein. Oui, à tous les coups. Voilà, j'ai baissé le son, ça sera mieux comme ça. Alors, attends, est-ce qu'il est à zéro? Ouais, il est à zéro. Sans déconner, ces trucs numériques, là, c'est une prise de tête complète, quoi. Plus on va vers du moderne, du ceci, du cela, du soi-disant tendance et compagnie, plus c'est la merde à paramétrer tout le Bataclan. Pour faire de la radio, là-dessus, sur les trucs, la PMR, DPMR, tout ce truc-là, enfin bon, bref, DMR, il faut être informaticien, sans déconner. Hein. Là, putain, j'hallucine. Hein. Non, ben, je pensais avoir fini, et puis en fin de compte, non, il va falloir que je recommence tout à zéro. Puisque, ben, comme j'ai pu le voir au niveau des fréquences, alors déjà, tu peux pas scanner sur les fréquences comme on peut le faire sur l'analogique. Et ça, c'est bien dommage. C'est vrai que nous, sur l'analogique, là, comme on est là sur la CB, ben, tu te balades où tu veux, tu navigues sur les fréquences comme tu l'entends. Une station un petit peu lointaine, et ben, tu arrives à la sortir quand même. Alors que là, sur les trucs, la numérique, ah ben alors là, tout ça, tu l'oublies, quoi. Et je vois là-dessus, alors du coup, il faut rentrer toutes les fréquences à la main, là, dedans. Sinon, tu ne peux pas l'utiliser. Apparemment, il y a des dossiers à créer, enfin, ils appellent ça des zones. Alors, ok, je fais ça un peu à mon idée. Alors, le premier dossier, bah, je l'appelle PMR, DPMR. Le second, radio amateur. Le troisième, SWL, pour mettre. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Et le dernier, pour les fréquences ISS. Ok, je nomme tout ça comme ça. Je paramètre les différentes pages qu'il y a dans le truc dans ce sens, et ainsi de suite. Toutes les fréquences pareilles que j'oriente sur les différentes zones, comme ils appellent ça, et pour apprendre hier au 600 que non, c'est pas ça. Il y a,
Il y a un truc, faut nommer ça bien comme il faut, comme ça doit l'être. Alors c'est deux lettres plus un chiffre. Je sais plus, j'ai plus les lettres en tête. Mais oui, faut nommer ça quand même. Ouais, deux lettres plus un chiffre. Alors après, il y a aussi une histoire d'indicatif. Alors tu peux pas mettre n'importe quoi comme indicatif. Il faut aller en récupérer un là sur un site internet. Il y a le numéro de l'idée. Oh, je sais plus quoi. Alors là, c'est pareil. Il y a un code à rentrer. Il faut faire attention que ce soit pas le même code que. Le même code que quelqu'un d'autre. Hachis trois coups. Et sans déconner. Et puis en plus de ça, d'après ce qu'on m'explique, il y a des histoires de fréquences privées, de salons publics. Sur le coup, tu te crois un peu sur les applications là qui fonctionnent via Internet et qui font croire que c'est de la radio avec indicatif imposé quoi. C'est sauf que là, ça passe vraiment par les ondes hertziennes. Sur le coup, ça refroidit un petit peu quoi. T'as plus la même approche de la radio quoi. Là, pour ma part, j'ai fait un pas en arrière quoi. Non, sérieusement, l'analogique telle qu'on l'utilise là sur la CB a vraiment encore de beaux jours devant soi. Ne serait-ce que déjà pour la facilité d'écoute et d'utilisation. Si je me trompe pas, c'est lui qui m'a passé le premier fichier et visiblement il y a eu un problème de compatibilité avec mon poste. Ces fichiers sont programmés pour en UHF. Pourtant, normalement, ça doit pouvoir se mettre sur, comme sur le mien, sur un TYT. Sauf que moi, le mien, c'est un biband. Et il y a eu un petit souci là de compatibilité là quelque part qui m'a tout foutu en vrac. Alors le TYT là, que j'ai, là, qui a au départ affiché, était en double affichage de fréquence, c'est-à-dire VHF, UHF, et bien là pour le moment, ça je ne l'ai pas retrouvé. J'ai plus qu'un simple affichage, on va dire, en gros. Quoi. Mais bon, j'ai Eric. Ouais, je crois que c'est Yannick, il me semble. Oui, c'est ça, Yann. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien ça, ouais. Donc, dommage. Hein. Dommage que son fichier soit pas compatible avec mon poste. Autrement, tu as Eric aussi, là, qui a amélioré son... qui a complété son fichier. Apparemment, il devrait être compatible avec mon poste, là, ce coup-ci. Il m'a donné aussi le nom là, du programme pour pouvoir travailler dessus, ça devrait le faire. Alors je vais aussi tester ça. De toute façon, là, puisque je suis dans le merdier complet avec ça, là, je peux faire tous les tests que je veux dessus, là, de toute façon, là, maintenant. Hein. Puisqu'en plus de ça, le gag, c'est qu'au début, j'ai fait une sauvegarde avant de faire quoi que ce soit.
Sauf que le premier programme que j'ai eu, il voyait que la partie UHF. Et quand j'ai voulu restaurer la sauvegarde, t'es que fifre, voilà loupe. Ok Rémi, mais écoute, je t'entends plus du tout là. J'ai une QRM là sur le site, là, je vais te rentrer dans le site là. J'ai une QRM, je te dis pas là, c'est, je t'entends plus là, il te couvre carrément là. Il te couvre carrément Rémi, voilà. Je vais t'envoyer bonne route là. Ok, c'est pas grave, de toute façon tu pourras réécouter tout ça dans la vidéo. Hachi, bonne journée à toi, bye bye. Attention Nico, Barracuda 56 pour Dindy 33 qui vous appelle. Allez, moi, ça me l'entend quelqu'un dans le lointain, les 73-51 à la station de la part de Dindy 33, actuellement dans la côte de la Jetée. C'est très QRP. Du monde là. Un peu loin. Attention, la belette pour Dindy 33 qui t'appelle. Ouais, mais c'est tout bien, c'est un peu, mon petit Rémi, je vais faire un point, qu'on va y venir. Les 73-51 à toi, en espérant que tu ailles bien. Là, je suis sur la bretelle, je suis sur la rocade rive droite, là, je suis en train de sortir du pro. Ah, c'est pour ça, mais là, moi, je sors de mon dépôt Ok, en tout cas, je suis bien content de t'entendre parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je t'avais pas entendu. Puis en plus, c'est vrai que de mon côté, au niveau du pro, c'est du grand n'importe quoi en ce moment. Hachi trois coups entre la nuit, le jour, la nuit, des horaires différents et ainsi de suite. Ah, c'est pas évident du tout en ce moment. Puis après, la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois, vacances. Alors là, je suis encore plus occupé. Ouais ouais parce que là en ce moment je vais aussi bosser là de mon côté là dans les environs de Saint-Émilion là de ce côté là là en journée. Donc c'est vrai que là pour le coup c'est encore moins évident. Eh bien justement toi j'en ai pas, on en a discuté là tout à l'heure avec lui. Hein. Voilà, j'étais en QSO avec lui là en sortant du pro, là j'ai débauché à 6h.
Lui est arrivé au pro là à 6h20, donc là pendant ces 20 minutes, toi, on a pas mal papoté. Et c'est vrai qu'on on se l'est dit aussi là qu'en ce moment là c'était compliqué pour t'avoir en fréquence. Ah la vache, là je suis au feu rouge là de la sortie 26. Qu'est-ce qu'il y a comme QRM à cet endroit-là? Attends, voilà, ça y est, ça va peut-être s'améliorer, je suis en train de repartir. Ouais, en gros, il n'y a que le Roger Bib que j'ai bien compris. Quoi. Voilà, j'arrive, je suis en train de passer au-dessus de la rocade. Mais là, moi, je viens de dépasser DPA, j'arrive sur les quais de Bastogne. Putain, tu m'arrives bien, là. Ah ben, t'es, j'étais de ce côté-là, justement, là, tout à l'heure. Dans les environs, là, ben, t'es, quand tu arrives, là, quand t'es sur les quais de Bassin, quand tu arrives, là, au relais routier, là, de la vieille, à Chy, là, tu prends à droite et j'étais un peu plus loin, quoi, dans les environs. Attends, les feux, ils devraient les interdire, hein, ça parasite beaucoup trop ça. Ça y est, je suis reparti là, je suis en direct, je suis sur la voie rapide, NSL 89. Ah si, ouais, c'est bon, ouais. Oh, mais il n'y a pas de problème, ouais, ça marche bien, ouais, ouais. Ouais, moi je peux avoir les signaux là, sur les pieds. Oui, dans le bout là-bas, et eh bien ce soir, je serai de ce côté-là, dans les environs, au rond-point, et au grand rond-point qui est au sud là après, tu tournes à droite, et je serai quelque part par là. Ok, ouais. Ce soir, j'attaque à 23h, jusqu'à 8h demain matin. Peut-être sur son copier de demain matin. Alors, ah, attention, non, demain, non. Non, non, je fais sur le bassin à 14, je crois. Ok, espèce de touriste, hein, un chi-3 coups. Eh bien, tiens, pour le coup, rendu au QIRA, je vois la température qui est annoncée pour demain matin. Et si c'est une température tropicale, il y a des chances que je prenne la bouton dans ces cas-là. Je pense qu'il y a du soleil avec quelques risques d'inverse. Ouais, enfin pour la température tropicale, je crois qu'il va falloir que j'attende encore un peu. Hein. Puisque là ce matin, j'ai vu là au QRA qui était annoncé 6 degrés. Voilà, pas plus. C'est bon, en moto, quand tu as une bonne soirée, 50-60 km à faire, ça fait un peu frais quoi sur le coup. Là. Ouais, après, c'est une question de motivation, c'est comme tout le monde. Ce matin, moi, j'avais décollé, là, il y a 3 quarts d'heure des villes, là, j'avais 5 degrés. 5 degrés? Ah ouais, ouais, mais bon, ouais, c'est une question de motivation, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu roules comme là en ce moment, là je suis à 110, 110, bon, ben par rapport à la température réelle, tu enlèves 11 degrés dessus, quoi. Là, ça fait un petit peu frais, là, au niveau ressenti. Ouais, ouais, mais tu peux pas partir sur la rosa, dans la combinaison, puis rouler directement au système de refroidissement du moteur, pour ça, je ne peux pas aller plus mal. Ah, chie trois coups. Ah oui, t'as le chauffage intégré, chauffage liquide, ouais, bah oui. Eh ben, putain, j'ai un camion là devant, les mecs, ils doivent être en train de s'endormir au volant. Quoi. Attends, je vais le doubler rapidement. Il a fait un espèce de zigzag. Ah non, d'accord, j'ai compris, quoi. Le mec, il est en train de regarder la télé, quoi. Ouais, il y a la chauffeur de rien, hein. Par contre, si tu te fais bruit, c'est ça, c'est quand on roule là-bas, même si c'est pas combien de points. Bah après, ça le regarde, hein. Ouais, exactement, là, quand je suis passé là à côté, j'ai regardé, bon, j'ai vu son écran, enfin un écran d'allumé, je croyais que c'était le GPS, mais ça bougeait un peu trop dessus, quoi. Ah, il y en a, il faut que ça bouge pas, il y en a qui ont un peu plus tôt, hein. Ouais, j'ai déjà vu ça, je me souviens une fois quelqu'un comme ça, il avait son téléphone de collé au pare-brise, et il était en train de regarder la télé, là, tout en roulant, hein. Ah, il y en a qui doutent de rien, hein. J'arrive là dans la descente de la poste, donc à mon avis là je vais te perdre. Je vais t'envoyer des bonnes sur 1351, très content de t'avoir eu à nouveau en fréquence, à la prochaine. Ouais,
Il n'y a pas de problème, monsieur. Les dernières arrivent au rond-point du Limousin, pour tout à dire. Mais je ne te confie sans aucun problème. Allez, de bonne petite journée. Si ma foi, mais les bons coups, elles vont monter. Et bien, ma foi, ça, ok, ouais, voilà, toi, je commence à te perdre. Là, fin, je t'entends encore un petit peu, mais bon, ça devient un peu QRP. Là, je suis à mi-descente, là, vers le petit village La Poste. Après, là, je vais plonger carrément dans le trou. Et là, ça va être bon. Ok, merci à toi, bonne journée. Et puis, des 73 à tous ceux que tu copieras. Ok, ciao. Voilà, ça touche à la fin, là. Toi, là, sur la fin, là, je t'ai vraiment entendu très QRP de mon côté. Merci, bye bye. Oh putain, j'ai été moustaché au passage, moi, là. Il y a du monde qui module, là. Ils sont où ? Des fois, ils prennent les micros et puis ils le reprennent 5 minutes plus tard, voire plus. Et c'est pas évident de les retrouver dans ces cas-là. Ça donne l'impression qu'il n'y a personne, et pourtant... Nous sommes 13:51 à des stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le pont de la rocade de Libourne. Et bonne journée à vous.